Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro, je crois c'est 150. Je vais attendre un petit peu, voir s'il y a des gens qui vont nous rejoindre. Voilà. Habituellement, ça tarde pas tellement. Il y a des gens... le soleil qui est de la partie. Plutôt nuageux ici à Las Vegas. Voilà, ça commence. Le sujet d'aujourd'hui. Que faire lorsque... le découragement prend place lorsque au moment de créer votre vie, lorsque vous êtes en train de créer votre vie et bonjour Sylvie et que vous voilà, quelqu'un qui est derrière et que le découragement est en place. Mais qu'est-ce que c'est que le découragement? C'est souvent on désire que le résultat soit d'une certaine façon. Hein, ou bien on a une attente de ce que ça devrait être et c'est pas en place. Et là, ce qui maintient le découragement ou ce qui nourrit le découragement, ce sont des points de vue. Hein, ce sont des points de vue et plus on prend conscience de ces points de vue, hein, et plus ça nous, on a le choix ici. Ok, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. C'est de détruire et de décréer. France nous dit allô en direct d'un pays de neige. Oui, je pense qu'il avait annoncé ça au Québec cette année, qui était pour avoir beaucoup de neige. On en a eu à Vegas 2-3 jours passés. Oui, il y avait... c'était tout blanc, il semblerait. J'ai rien vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est en soirée. Donc, voilà, c'est... voilà, il fait froid, hein? Il fait froid, puis il y a de la neige, puis... mais c'est ça. Vivre sur notre merveilleuse planète Terre, c'est ainsi. Donc voilà, j'ai vécu la semaine passée un moment, la semaine passée ou la semaine d'avant, un moment de découragement. Et l'outil qui m'a aidé vraiment à transformer mon énergie, à transformer ce sur quoi je focusais, c'était, ok, qu'est-ce que je désire créer ici? Et je suis retournée dans cet univers-là de possibilités de création et j'ai posé des questions. Mais pour moi, c'était tellement « Wow! Est-ce possible qu'on puisse... » Bon, on a un petit ami en avant de nous qui jappe, là. Et est-ce possible qu'on puisse, en l'espace d'un moment, transformer notre dynamique énergétique pour faire en sorte que... Wow! Et là, il y a vraiment... parce que... l'énergie de nos points de vue va créer une réalité, hein? Hello you! Hello my friend! Ah, des fois, les chiens, on a juste besoin de leur parler. Oui, je sais pas si je peux vous le montrer. Ah, voilà! Oh, hop! Est-ce que vous... oh, voilà! Hello! Hello toi! Oh, carton ça! Hello! Il y en a un autre! J'adore les chiens! Oups! On les voit pas! Ouais. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bon, désolé. J'avais des petits amis à prendre soin d'eux. Et c'était pour moi vraiment cet espace comme, wow, on peut vraiment changer notre énergie si on change notre point de vue, si on change d'espace, si on change d'univers. Et si c'était justement en nous permettant de... en nous permettant de choisir, wow, où je maintenais en place le découragement, et là, j'allais dans toutes les raisons qui maintiennent le découragement, hein, pour donner raison à ces raisons-là, ou bien on peut choisir autre chose. Wow, qu'est-ce que je désire créer ici? Retournez à ce que vous désirez créer. Et poser des questions du style, wow, quoi d'autre est possible, univers? Qu'est-ce qui est requis pour moi de recevoir ici? Qu'est-ce qui est requis pour moi de prendre conscience qui va me permettre de créer ceci avec aisance et légèreté? Hein? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour pouvoir créer ceci avec aisance et légèreté? Hein? Dans une aisance totale et une légèreté totale. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right, wrong, good, bad, pot, pot, on a une short, pause et mi-ongs. Voilà. Et c'est vraiment... nous sommes le maître de notre vie. Nous sommes la personne qui peut vraiment transformer les choses. Et c'est à nous où est-ce qu'on met notre attention.
Où est-ce qu'on met notre focus? Sur quel... Est-ce qu'on on se laisse aller dans le découragement? Et parfois, c'est ce qu'on choisit. Puis à un moment donné, whoop, on se relève et on repart. Ou bien si on choisit à ce moment-là de transformer ceci. OK, qu'est-ce que je désire créer ici? Une autre chose, un autre outil qui peut être très, très aidant, faites-vous faire vos barres. Faites activer vos barres. Hein, les barres nous aident vraiment à libérer toutes les limitations, les tensions dans lesquelles on est. Et quand je parle de limitations, c'est les points de vue qui sont en place dans notre vie. Et qui, lorsque on... Bonjour Corinne! Et lorsque on reçoit une session de barre, en tout cas souvent, moi la plupart du temps, après une session de barre, l'énergie dans laquelle j'étais avant est complètement transformée. Hein? Les barres sont vraiment, les access barres sont vraiment un outil qui permet vraiment de transformer notre énergie et de nous libérer de nos points de vue à ce moment-là, de nos points de vue limitatifs. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas besoin pendant la session de prendre conscience de ce que sont ces points de vue. Parfois, on peut et très souvent, on n'a pas conscience. Et ça se fait. Et ça se fait, c'est vraiment les barres, 32 points sur la tête qu'on touche légèrement. Pas besoin d'envoyer d'énergie, pas besoin de tirer l'énergie, pas besoin d'être dans une énergie quelconque. C'est vraiment juste de déposer nos doigts sur les points des barres. Et ça va activer le processus. Et si votre corps était magique, et si votre corps avait cette magie, et les barres éveillaient cette magie-là. Donc voilà, c'est un autre outil. Et hier, j'ai vécu une session SOP. Hein, Symphony of Possibilities, Symphonie des possibilités, et oh my God, à distance, la personne était en France et j'étais ici à Vegas, et oh my God, quelle transformation pour moi. Et cette personne-là, je veux prendre le temps de la remercier et de vous dire qu'elle existe. Et en tout cas, j'ai reçu plusieurs SOP jusqu'à maintenant, et celle-là, c'était vraiment wow. Wow, il y a vraiment quelque chose qui s'est changé dans ma vie. Ce matin, je me suis réveillée et j'étais dans une énergie nouvelle. Et là, je dégage des choses à partir d'une énergie nouvelle. Son nom, si vous voulez la connaître, vous pouvez la retrouver sur Facebook ou vous la connaissez peut-être. Madeleine Lévesque. Bonjour Michel. Madeleine Lévesque. C'est un être, une X-Men merveilleuse sur la planète et qui gagne à être connue. Qui gagne à être connue d'une telle conscience et en même temps... Ah, cool. Isabelle nous dit, « Allô, je suis en congé forcé et j'apprécie ta présence. Quelle belle contribution. » Ah, merci Isabelle. Oui. Et c'est vraiment... ça aussi, ça peut être un autre outil. Là où est-ce que je veux en venir, c'est vraiment quand on transforme l'énergie. Et si tout ce qui nous causait difficulté et problème et tout ce qui nous gardait dans la difficulté et problème était logé dans l'énergie. Et plus on s'ouvre à cette dynamique énergétique de qui nous sommes et qu'on prend conscience et qu'on utilise des outils qui nous, justement, nous fait bouger l'énergie, fait soit va transformer l'énergie, va détruire et décréer, ce qu'on dit chez Access, détruire et décréer l'énergie qui est en place, ça fait en sorte que voilà, on se retrouve dans une énergie nouvelle. On peut s'ouvrir à des énergies nouvelles. Moi, aujourd'hui, je me sens vraiment dans une énergie où est-ce que je suis... j'ai l'impression qu'il y a des énergies de moi qui étaient encore en moi lorsque j'étais dans le ventre de ma mère et qui étaient figées et qui étaient en place et qui étaient... Et que une partie de ma vie ne bougeait pas. Il y a une partie de ma vie, voilà, j'offre des classes, c'est des classes qui s'en viennent, puis il y en a une qui bougeait pas. Et je posais des questions à la classe, et ce qui est venu ce matin, c'est devenu tellement clair pour moi, cette classe-là. C'était moi, cet espace de moi qui était arrêté, qui était figé. Donc, j'ai adressé ceci et je suis allée avec l'énergie qui était en place. Et je suis en train de faire bouger les choses. Je suis en train de transformer l'énergie.
Ah, et en transformant l'énergie, je sais que ça va apporter quelque chose de différent parce que quand on transforme les énergies, toute la source de tout est dans l'énergie. Que ce soit vos pensées, que ce soit vos sentiments, que ce soit vos émotions, il est possible de tout transformer ceci avec des outils qui justement s'adressent à l'énergie et qui, ces outils qui ont la capacité de transformer l'énergie. Bon, la formule de déblayage d'Access Consciousness fait ceci. Ah, et parfois, il y en a d'autres. Il y a également, je me souviens, avant Access, j'utilisais le Ho'oponopono pour transformer mon énergie. Le EFT, hein? Le EFT, ou est-ce que les Emotional Freedom Technique, EFT, ou bien, je pense qu'en français, c'est la technique de libération émotionnelle aussi, ou est-ce que c'est comme du tapping énergétique, voilà, sur des, je crois que c'est des points d'acupuncture. Et on peut vraiment transformer les choses avec des méthodes. Et c'est vraiment là où est-ce que je veux vous inviter aujourd'hui. Ici, le découragement n'était pas la fin, mais c'était vraiment juste une possibilité pour vous de vous ouvrir à autre chose encore plus grand auquel vous n'aviez pas pensé. C'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Et certains outils, voilà, que j'ai utilisés ou que d'autres utilisent ou que l'on peut utiliser. Là, je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir ici. voilà. Et si justement, le découragement faisait partie du processus, hein, parce qu'à ce moment-là, on prend conscience de nos, qu'est-ce qui est en place et qu'est-ce qui souvent en nourrit. Et avez-vous laissé le découragement être plus puissant que ce que vous désirez pour vous? Et c'est vraiment, voilà, et si c'était de se maintenir dans la question, quoi d'autre est possible, l'univers? Comment ça devient encore mieux que ça? De quoi, qu'est-ce qui est requis pour moi de prendre conscience ici? Qu'est-ce qui demande à être transformé pour créer ceci? Ça peut être ça aussi. Parce que plus vous, voilà, en posant des questions à l'univers, on reçoit les prises de conscience. OK. Est-ce que je me suis trompée? Non. Non, je suis à la bonne place. J'ai pas pris le raccourci pour me rendre chez moi, mais coudon, je suis pas faire en chocolat, hein? Même s'il pleut, je suis pas faire en chocolat. Donc, c'est vraiment ici. Et comme je disais tantôt, si vous êtes découragé, c'est correct aussi. C'est comme, permettez, OK, je suis découragé en ce moment-là. Qu'est-ce que je choisis à travers tout ceci? Et si vous voulez rester découragé, parfois, c'est ce qui est disponible pour nous. Permettez-vous d'être découragé, puis demain sera un autre jour. Et ou bien, quelle énergie puis-je recevoir? Ah, ça, c'est une autre question. Quelle énergie puis-je recevoir ici qui transformerait ou créerait de l'aisance, qui permettrait ceci d'avancer? Hein? Parce que ici, c'était des énergies. Et des énergies, ça peut être des prises de conscience, ça peut être, voilà, ça peut être des prises de conscience, ça peut être une personne qui arrive, qui va contribuer à votre vie, qui vous amène des idées, voilà, des prises de conscience. Ça peut être, voilà, ça peut être tellement de choses. Une idée merveilleuse, ben c'est, voilà, je viens de le dire. Et voilà, et donc, êtes-vous prêt à recevoir d'autres énergies? Et parfois, juste le fait, comme je disais tantôt, de se tourner vers notre... qu'est-ce que je désire créer? OK, c'est ça que je désire. OK, univers, qu'est-ce qui est requis ici? Quelle énergie, espace et conscience puis-je être pour que ceci porte fruit avec aisance et légèreté? Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, tout plein d'outils, lorsqu'on est découragé. Et si c'était d'être dans la question et de s'ouvrir. Et si justement, si on est dans le découragement, c'est peut-être parce qu'on se maintient dans quelque chose qui ne dans des points de vue, dans des énergies qui ne permettent pas la création de ceci. Ah, et c'est vraiment ici, et là je vois que Isabelle nous dit, ton vidéo tombe à point, je suis dans le découragement depuis quelques jours et merci pour cette belle contribution. Hey, cool! Ah, la magie, voilà, la magie de poser des questions. J'avais plusieurs thèmes ce matin, lequel je prends, lequel va contribuer le plus. Et là j'ai entendu, voilà, celle du découragement. La magie. Êtes-vous prête à être la magie que vous êtes vraiment? Et quand on pose des questions et qu'on est prêt à recevoir les prises de conscience, voilà, c'est un exemple de ce que ça peut créer dans la vie. Bye bye! Merci tout le monde! Et à la prochaine! Bye bye!